Bonjour à tous, aujourd'hui petit élagage de ce saule. Voilà, on va juste enlever un peu les bois morts et redresser un peu tout ça, histoire qu'il y ait moins de branches en dessous, parce qu'il va y avoir des travaux. C'est un peu tôt, mais il va y avoir des travaux, donc on ne saura plus le faire après. Et en même temps, il y a le fermier qui casse un peu les pieds, parce qu'apparemment il y a des branches qui sont un peu trop basses de son côté. Donc voilà. Donc il y a aussi un petit saule derrière là qu'il faudra enlever lui. Et voilà. Eh, Alexandre est très content. Hein, Alexandre, il fait beau. Toujours. Ah, toujours avec le petit broyeur Elliott. Super pro. De 18 chevaux. Allez, c'est parti. Principalement. Ouais. Tous les bois. Qui ne valent plus rien. Tout ça qui craque facilement. Après, il y a des enfants qui jouent en dessous. Ça tombe tout le temps. Okay, je vais faire ça. On a beaucoup de branches mortes hein, dans le saule. Ah, il tombe tout seul.
ça c'est mort. Là c'est un peu le bordel, c'est pareil ici. Voilà, maintenant quand même la différence est quand même flagrante. J'ai bien dégagé les bois morts et les branches qui étaient à l'intérieur, ce qui permet au vent de circuler, d'avoir un plus beau sujet, d'avoir un moins de frottement. Et là hier il y avait un frottement avec une branche qui crée des blessures. Et comme ça aussi l'arbre prend moins le vent, il y a moins de risques que des branches cassent ou autre. Donc maintenant on va s'attaquer à cette partie là. Ah, par exemple, si je pousse à l'intérieur de l'arbre, c'est pas très bon. Donc là, pour pouvoir passer, je vais la couper peu à peu, jusqu'à la couper complètement, évidemment. Je vais pas la laisser comme ça, ici, avec le bois mort. Ici, il y a longtemps, l'arbre s'est fait couper en tétard, différents termes que j'utilisais. Et ici, franchement, c'est un morceau beaucoup trop gros qui a été coupé. Et après, ben, ça limite l'âge de l'arbre. Là, il y a un pourrissement qui commence. Et c'est vraiment dommage de faire des aussi grosses tailles. Même si les choses sont volontaires, on utilise sur une taille raisonnée qu'une taille aussi forte. Ben, des fois, il n'y a pas le choix si une branche se sent ou quoi. On ne sait pas la situation qu'il y a eu, mais la plupart du temps, des trucs comme ça. C'est un peu trop gros quand même.
Hop. Voilà le résultat. Tout est bien propre, aéré. Voilà le résultat final. Donc vraiment les branches basses qui ont été enlevées, les bois morts et les chemins un peu dégagés. Les copeaux sont mis au pied de la haie. Et je vous laisse avec un petit timelapse du démontage d'Alexandre. De ce petit saule-ci. Voilà, à la prochaine vidéo.